Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel unboxing de maillots de foot, donc de maillots fake, je le rappelle, de chez SP Kids, donc qui est mon fidèle partenaire. Je vous mettrai les liens dans la description, tout ça pour le contacter, comme sur chaque vidéo évidemment si vous êtes un habitué de la chaîne. Après ce magnifique maillot domicile de RB Leipzig, Leipzig, je sais pas comme vous voulez, donc Flokken, Kunku, si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis sur la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui c'est un maillot spécial, je ne sais pas s'il est sorti dans le commerce. En tout cas, c'est un magnifique maillot qui a été produit par Adidas. Et c'est un maillot du Japon. Donc un maillot, comment? On va l'appeler le maillot édition animée. Voilà ce maillot bleu avec de multiples animés donc japonais que je vous présenterai donc, quand on fera les plans rapprochés. C'est un maillot en version classique, hein, donc c'est pas une version joueur. Donc voilà, donc le logo là est un peu froissé parce que donc avec le voyage tout ça il merde un peu. Donc il n'y a pas de flocage hein, parce que sinon je pense que ça allait niquer la beauté de ce maillot donc sur le dos. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite donc, pour les gros plans de ce magnifique maillot. Et donc nous voilà devant ce magnifique maillot concept du Japon, donc concept manga animé, donc animé japonais. Donc on se retrouve sur le logo Adidas, donc brodé, qui est très bien fait. Hein. Souvent, quand il est mal fait, les A ressemblent à des D, mais là on arrive parfaitement à distinguer donc, les A des D. Nous avons le logo du Japon, donc qui est un peu froissé dû au voyage, mais bon, ça sert à rien, ça va s'en aller. Donc, voilà, le magnifique logo du Japon. À l'intérieur, nous avons un col rond, donc avec un petit liseré rouge, donc pour représenter donc, le Japon. Et le bleu donc pour lier le col à ce magnifique maillot. Donc à l'intérieur nous avons ici un petit patch donc japonais dont je ne pourrais vous donner la traduction évidemment. Ce maillot est une taille L. Voilà. Nous avons l'étiquette ici donc hein, pareil le maillot n'est pas authentique. Hein, l'étiquette également ici dans le col. Vous pouvez taper le code, vous verrez que ce n'est pas le vrai maillot. Nous avons pareil sur les manches. Des manches bleues avec un petit liseré rouge au bout pour l'accompagner. Nous avons les trois bandes Adidas sur les épaules, comme quasiment sur tous les maillots Adidas de ces dernières années. Et enfin, nous avons tous ces motifs de manga japonais représentés sur ce maillot. Donc il y en a certains que je pourrais vous citer, imaginons, comme Naruto ici présent, comme One Piece ici présent, comme Dragon Ball. Dragon Ball Z ici, voilà. Il y a l'attaque des titans, il y a Hunter x Hunter, il y a My Hero Academia. Je vous montre à peu près tout ce qu'il y a si vous arrivez à identifier donc votre animé favori. Citez-le en commentaire hein, évidemment si vous le souhaitez. Voilà, donc ce motif présent sur la face du maillot, c'est exactement le même qui est présent donc sur le dos du maillot, donc je vais vous le montrer tout de suite. Et donc voilà, comme je vous le disais dans le dos du maillot, donc ce sont les mêmes motifs qu'à l'avant. Donc voilà, Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, Hunter x Hunter, My Hero Academia, et tout plein d'autres animés que vous aurez certainement, que vous allez certainement reconnaître. Et donc voilà ce maillot du Japon à l'essayage. Donc c'est une taille L en fin de version. Et moi qui suis assez fin, franchement, je trouve que ça va encore comme maillot. Vous voyez, de toute façon, niveau longueur, c'est OK. Donc, c'est pareil, hein, les maillots Adidas, prenez votre taille habituelle chez SP Kids, c'est très important. Pour les players version, prenez toujours une taille au-dessus, ça je ne cesse de le répéter, mais c'est très très important. Autrement, voilà, donc ce magnifique maillot, si vous êtes fan de foot et fan de manga, ce maillot, il est vraiment fait pour vous. N'hésitez pas à vous l'acheter, il coûte 15 euros, ça ne coûte rien du tout. Même si vous ne portez pas de maillot de foot, hein, je pense que quand tu es fan de manga, et que tu vois ça, tu es forcément content. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc évidemment, je vous mettrai tous les réseaux sociaux, tous les liens, machin, pour contacter SP Kids ou bien commander chez lui. Donc franchement, c'est le boss, franchement, de m'envoyer des maillots comme ça. Je le remercie encore une fois. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez. À la prochaine, tchuss.